Comment faire pour adapter votre discours aux différents auditoires que vous rencontrez ? Aujourd'hui, par exemple, comme conférencier, j'interviens pour un groupe célèbre qui comporte de multiples magasins en France et j'interviens pour les collaborateurs. Il y a 2 jours, j'intervenais pour des managers et la semaine prochaine, ce sera pour des entrepreneurs. Donc ça veut dire qu'il y a un discours différent, même si bien évidemment, le fond du management reste le même. Et donc, comment faire pour que vous puissiez, vous, adapter votre discours aux différents types de personnes que vous allez rencontrer? Eh bien, le maître mot, c'est la préparation. Il y a trop souvent des discours qui sont toujours les mêmes, qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas personnalisés. Préparez votre discours, sachez ce que vous allez dire et surtout prévoyez ce que les gens vont vous poser comme question, les éléments sur lesquels ils vont rebondir. Travaillez votre discours en amont. Faire un bon speech, c'est pas simplement débiter des principes, des méthodes, des solutions. Ça n'est pas que ça. C'est aussi prévoir ce qui va être dit par les gens qui vous écoutent. Et ici, par exemple, pour ce qui me concerne, quand je fais une conférence, eh bien, d'ailleurs, je fais jamais deux fois la même, tout simplement, parce que je crois qu'il faut personnaliser. Et donc, le secret, c'est préparer et personnaliser. Personnaliser, que ce soit avec un client, que ce soit avec une équipe, que ce soit avec un manager, que ce soit avec des collaborateurs, personnalisez votre propos. Parce que si vous le personnalisez, eh bien, tout simplement, la personne qui vous écoute va s'en rendre compte. Et donc, votre discours sera beaucoup plus impactant. Voilà. Dans ce magnifique atrium, ici, dans ce groupe de célèbres, eh bien, je vais proposer de l'optimisme opérationnel tout à l'heure. J'en suis ravi. Je voulais vous donner ces 2 conseils. Préparez. Tout est là. Et personnalisez votre discours parce que vous verrez le résultat. Votre public sera conquis. Conquis. Absolument.